nuit, mademoiselle ? Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit ? Ouais. Ça va ? Ouais. On le rase, tu vois. Bonne nuit, commissaire. Il en a égorgé 17, il n'en tuera pas 18. Hein. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez dormir sur vos deux épaules. Oreilles ? Ouais, mais les oreilles aussi. Pas de problème. Enfin, jusqu'à ce qu'il me les coupe, quoi. Vous savez, la vie, c'est comme une femme. Il y a des hauts. L'appartement est verrouillé, il y a 10 policiers qui surveillent ma chambre. Eh ben en fait, je savais que tu serais une cible difficile à atteindre, alors j'ai anticipé tout ça. J'ai construit il y a 8 mois une cachette derrière ta bibliothèque. J'ai fabriqué un espace de 2 mètres carrés, j'ai vécu dedans tout ce temps jusqu'à ce soir, rapport à l'équinoxe du printemps, et je sors pour te tuer. T'as vécu 8 mois dans le mur? Exactement. Prendre une vie en un éclair, c'est facile. Forger une lame pendant de longs mois et s'en servir qu'une seule seconde? Non! Tout ce qui fait la saveur d'un crime, c'est vivre à côté de sa victime. La sentir, la respirer! Afin de mieux apprécier le fil de sa vie qui se coupe. Pendant tout ce temps-là, j'ai mangé des boîtes de maïs et je faisais caca dans des sacs plastiques. Je suis le grand homme sauterelle et toi, la femme fleur! J'ai exploré le monde bien plus loin que toi! Je me suis façonné, seul, construit, seul! Mais qu'est-ce qu'un lombric quand on peut devenir papillon? 8 mois, c'est long. Hein. 8 mois, soit 244 jours, soit 5865 heures, soit 351 360 minutes à penser à toi! Ça occupe, hein? Ça, c'est sûr, ça occupe. Hein. Mais je ne suis que le crayon d'un vaste dessin. Oh! Je suis l'alpha et l'oméga de l'univers! Terré dans mon trou, tel le serpent qui observe la fin du monde, je n'avais plus de lingette au bout de 4 mois. Oh. Ma propre odeur me dérangeait tellement que je tombais dans les pommes continuellement. Oh. Je suis allé aux confins de moi-même et j'ai découvert de nouveaux territoires. Ah ah ah. Mais je suis un prédateur, un léopard qui ne lâche jamais sa proie. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques taches à mon pelage de fauve. J'ai donc décidé de terminer ma carapace de guerrier animal. La mort est venue me caresser la nuque. Je suis resté dans le coma pendant 1 mois. 1 mois ? Ouais. Ah oui, quand même. Mais ça n'était pas mon heure. Et puis, elle est venue. Elle. Vanessa. Ce morceau de papier peint a su trouver les mots pour me sortir de ma folie et me remettre dans le droit chemin. Vanessa et moi avons été en couple pendant 2 mois et demi. Elle m'a réappris à vivre, elle m'a réappris à parler, avec tous les efforts d'orthophonie que ça imploque. Ça imploque ? Ouais. Et puis, pour une bête histoire de jalousie, apparemment, je regardais d'un peu trop près de Jamila et Vanessa est très jalouse. Si bien que Vanessa m'a quitté. Ça a été dur de vivre l'un à côté de l'autre alors qu'on n'était plus ensemble. Mais bon, c'est la vie, hein. Oui. Life goes on. Mais maintenant, tu dois mourir. Mais comment t'as su que j'allais me tenir juste ici? Eh ben en fait... Allez, escortez-le. Ou plutôt, escrotez-le. Oh. Oh.